Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Vous voyez, j'ai pris ma petite anti-sèche parce que je vais vous montrer des Poké achats de ces dernières semaines. De même, je crois qu'ils doivent être même un peu plus vieux. Et je ne me rappelle pas le prix. D'ailleurs, on va déjà commencer avec celui-là directement. Donc en fait, j'ai acheté, je crois, ce lot en enchère. Donc il est composé. Donc, d'une impulsion G qui est une secrète de la série Noir et Blanc. Noir et Blanc, et c'est exactement la série, je ne sais plus exactement. C'est Explosion Plasma. Je cherchais le nom. Donc, ça, c'est une secrète d'Explosion Plasma qui est en bon état. C'est pas parfait, mais c'est bon état. Un Palkia GX. Que j'avais déjà, donc du coup celui-là il sera à la vente. Un Milobelus en rare de Vainqueur Suprême. Une énergie qui je pense pas qu'il est en reverse. Je sais plus si elle est en reverse ou pas, parce que je crois que normalement dans le bloc X, les reverse, elles ont le logo de la série, mais je sais pas si c'est pareil pour les énergies ou pas. Je me suis toujours posé la question, donc si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qui est en bon état, hein, à peu près, hein, pour une série de cet âge-là. Et du coup, voilà, comme je vous disais, le logo de la série, donc ça c'est une reverse, c'est un peu comme une reverse, ouais. C'est le petit Nidoran femelle en commune reverse, parce qu'il y a le logo de la série juste ici, et une énergie métal en rare, de espèce Delta. Voilà, donc ce lot, je ne sais plus du tout combien je l'ai payé, j'ai essayé de chercher pendant quelques minutes là, avant la vidéo, mais j'ai pas trouvé. C'est un lot que j'ai acheté il y a au moins, je pense, 3 semaines. J'avais oublié de vous mettre sur la dernière vidéo, du coup j'ai retrouvé, je voulais vous le montrer quand même. Parce que celle-ci est quand même assez intéressante. Et je pense que j'ai dû la voir dans les 6 euros, je pense. En général, je ne mets pas plus. Celle-là, j'ai dû la voir dans les 1-2 euros. Celle-ci dans les 3-4 euros. Et voilà, le reste dans les 20 centimes, 20-50 centimes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Donc après. J'ai quasiment terminé la série Détective Pikachu. J'ai trouvé ces deux-là. Donc le One of Limit qui est la 18 sur 18 et le Métamorph qui est la 17 sur 18. J'ai eu le lot pour. J'ai eu les deux pour 5 euros et je crois 1 euro de frais de port. Donc j'ai eu le tout pour 6 euros. Sachant que le Métamorph cote déjà dans les 13 euros, je crois. 11-13 euros. Et le Mona Flemmi coûte dans les 7 euros, je crois. Donc, normalement, il y en avait pour au moins 20 euros. Donc, j'ai eu le tout à 5-6 euros. Je voulais pas prendre le Métamorph à ce prix-là. Je sais qu'il coûte extrêmement, extrêmement cher. Enfin, extrêmement cher. Pour cette série, on va dire. Pour une série aussi récente qui est sortie il y a. Enfin, officiellement, elle sort que le 3 mai. Donc, on est là le 25, je crois. 26. Et sachant pour une série qui est aussi récente, les cartes ont explosé au niveau du prix. Le Dracaufeu par exemple se trouve maintenant dans les 14-15 euros. Je le prendrai sûrement pas à ce prix-là, donc j'essaierai de le trouver moins cher. Donc j'ai eu les deux pour 5 euros, ça me paraît correct. Donc il ne manquera plus que le Dracaufeu pour compléter ma série en entière de Détective Pikachu. Donc si vous l'avez et que vous voulez me le proposer à l'échange ou à l'achat, ben, j'attends vos messages parce que ça me fera du coup la série complète. Donc ça c'est fait. Donc ça, je vais vous le mettre juste derrière, comme ça, vous allez pouvoir avoir le récap. Voilà. Ensuite, ma petite anti-sèche, elle est là. Donc j'avais le. Voilà, c'est de là. Donc le Megalatria de. Je ne sais plus quelle série, je ne suis pas du tout expert de cette série-là. C'est la série. Impact des Destins. C'est une série que j'ai pas du tout ouverte parce que je collectionnais pas Pokémon à cette période-là. Donc c'est le Mega Altaria X, donc qui est en français bien sûr. Normalement, ouais. Ah non. Ah merde. Pardon, excusez-moi. Eh ben, je pensais qu'elle était en français. Eh ben non. Je me suis fait avoir. Voilà, je savais pas. Je l'ai payé 3,50 €. Voilà, peut-être aussi ça, son prix. Bah, il ira à la vente. Vu que je fais une brocante ce week-end, bah, il ira à la vente. Voilà. Et du coup, le Mona Flemmi que j'ai payé 50 centimes.
Voilà. 50 centimes. Et le Megaltaria 3,50. Tant pis. Il ira à la vente. Voilà. Ça m'apprendra à bien regarder. Hop. Ensuite. Celle-là et celle-là. Ouais. Alors, deux petites cartes sympathiques. Donc, celles-là sont bien en français. Donc, on a le Maconior X promo que j'ai payé 1 euro. Le Maconior X qui est en parfait état. Et le Noctali promo de XY96. Cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Le Noctali, il est absolument magnifique dessus. Je l'ai payé 2 euros. Donc j'ai eu les deux cartes pour 4 euros par compris. Franchement, magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc j'ai eu le Pikachu de Sacha. Donc j'ai maintenant complété la collection de Pikachu de Sacha de la série Je te choisis. Donc elle est en scellée. Hein. Parfaitement scellée. Bon, j'ai vu qu'à l'intérieur, elle n'était pas parfaitement neuve. Elle doit être très très bon état, on va dire. Proche du neuf, mais elle n'est pas neuve. Je pense qu'elle a dû un peu bouger dans la pochette et tout. Donc, elle a dû un peu se rayer à l'intérieur. Et du coup, j'ai pris aussi le Volcanion Brillant de la série Légende Brillante, que j'adore. C'était ma première brillante de la série. J'en ai acheté une deuxième, je vous montrerai après. Celle-ci, je l'ai payée 12 euros. Et Pikachu Sacha, je l'ai payé 2 euros. Donc j'ai eu normalement le tout à 14 euros. Les frais de port, je ne sais plus combien. De toute façon, c'est pas énorme pour deux cartes. Donc en gros, j'ai eu le tout pour 14-15 euros. Voilà. Ou alors 14 ports compris, je ne sais plus. Voilà. Donc 12 euros lui, et lui un 2 euros. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. On va les mettre devant. Voilà. Ça, c'est fait. Et du coup, je voulais vous montrer ça, qui est un peu plus ancien. Donc, j'ai acheté à Florian, si tu passes par là. Donc, c'est de là que je me rappelle les vendeurs. Ça, c'était Sarah. Ça, c'était Maxime. Et derrière, je sais plus, Jérémy, je crois, c'est de là. Les autres, je sais plus du tout. Celle-là, ça fait beaucoup trop longtemps, je ne me rappelle plus. Et celle que je vais vous montrer, donc, c'était Florian. Donc, c'est que de la série XY12, donc Evolution, que j'essaie de compléter en neuve et en Master Set. C'est-à-dire la version normale, la version reverse pour chaque carte. Et toutes les secrètes et ultra. Donc, c'est-à-dire toutes les cartes sans exception de la série. Voilà, en neuve. C'est une série assez accessible. Qui cote pas énormément, bizarrement, parce que c'est une réédition du set de base avec des ajouts. Donc déjà, moi je suis un fan du set de base en édition 1. Donc je vais essayer de compléter cette série, je l'ai quasiment complété. Le Mewtwo, vous avez dû voir dans une vidéo précédente en full art, que j'avais eu dans un lot à 50 euros, que j'étais très 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 content d'ailleurs. Le Roucarnage dans le même lot. Donc il va plus me manquer grand chose, hein. Il va manquer quelques full art, je crois. Je vais en acheter quelques-unes prochainement, et du coup je ne vais plus en avoir beaucoup. Qui va manquer le Dracolos full art, je crois qu'il va me manquer. Enfin voilà, il m'en manque quasiment plus. J'ai quasiment tout, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc le Dracofeu X, voilà, de la série donc XY12 Evolution, qui normalement sont toutes en neuve. Le problème avec XY Evolution, c'est que les cartes ont beaucoup de défauts, même à la sortie de booster. Donc j'avais discuté un peu avec Florian, en lui disant que bizarre, il m'avait vendu des cartes pas neuves, etc. Mais il m'a dit, mais je les ai sorties de booster. Et c'est juste que, voilà, dans XY12, ben, les cartes sont, même dans les boosters, ont des défauts. Voilà, des traces de frottement, des petits points par-ci par-là. Donc c'est voilà le petit inconvénient de la série. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà eu la même chose, mais je trouve ça un peu dommage pour les personnes qui veulent compléter en neuve comme moi. Ben, c'est un peu compliqué, quoi. Donc le Dragofeu qui est neuf, on va dire proche du neuf, voilà. Ouais, c'est ça, il y a quelques petites traces derrière. Donc le Florizarre X, voilà. Le Mega Flagados X, donc je vais vous montrer le petit défaut que j'avais vu. Hop. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Je crois pas.
Donc il y a un petit point là, en fait. On ne le verra pas. C'est comme si, en fait, il y avait un crayon qui avait été... Je sais pas si on va le voir. Non, la caméra n'a pas un assez bon macro pour faire le... Pour vous montrer le petit défaut. Donc le Mega Flagados X. Ensuite, le Raw Carnage X. Donc là, des énergies de série. C'est pour ça que je les ai prises. En dessous, vous avez la série. Donc énergie obscure, énergie combat, énergie eau, énergie feu, énergie plante, l'énergie plante en reverse. Là, voilà, les cartes qui me manquaient. Échange, lien spirituel Dracofeu, lien spirituel Drow Carnage, lien spirituel Flagados, indice du professeur Chen, Porygon, détermination d'Ondine. D'ailleurs, j'ai celle-ci de Ondine qui arrive en full art, je crois, très bientôt, dès que j'aurai réuni les sous pour l'acheter. Donc, total soin, récupération d'énergie, vaillance de pierre, Onyx, Machoke, Topicker, et ouais, je l'avais pas encore en œuvre. Échange en reverse, l'énergie combat en reverse, Electek, Magikarp, Starry, Magmar, Ponyta, Caninos, Goupix, Salamèche, Sac de nœuds, Aspicot, Crisacier, Chenipan, Nidoran, Mal, Soporifique, Smogo et Nidorino. Voilà, donc ça va quasiment compléter la série. En commune rare, je crois que j'ai tout, j'ai quasiment tout. En holographique, il m'en manque quasiment aucune. Il me manque peut-être quelques holoreverse, par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, j'ai quasiment tout, on va dire. Voilà, donc si vous en avez, que vous voulez me le proposer à la vente ou à l'échange, n'hésitez pas à me contacter, peut-être que ça pourrait m'intéresser pour compléter ou pour remplacer même certaines qui sont un peu abîmées. Voilà. Et donc gentiment, il m'a mis une petite carte en cadeau. Donc c'est le promo. La XY80, donc le QRM blanc, qui est en très bon état. Mais bon, vu que c'est un cadeau, hein, je vais pas non plus me plaindre. Donc très sympa. Ensuite, dans cette semaine, j'ai fait un échange avec une personne qui habite à côté de chez moi. Donc on a fait un échange en réel. Un échange en réel. Et donc du coup, je vais essayer de vous retrouver la photo de ce qu'il m'a pris. Il m'a pris principalement des holos de XY12, quelques rares, il m'a pris un noix de coco promo, un autre coco secret, oui, ça, un autre coco secret de XY12. Enfin voilà, si j'arrive à vous retrouver la photo, je vous la mettrai quelque part dans la vidéo. Voilà, juste pour vous montrer ce qu'il a eu. Donc, moi, je lui ai pris donc ce Kogaz Pidgeotto. Donc, c'est le Roucoups de Koga. En français, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, de la série Jimmy Rose, je crois, ou Jim Challenge. Voilà, à chaque fois, j'arrive pas à m'en rappeler, moi non plus. Donc, elle est en très bon état. Mais bon, c'est une série qu'on trouve quasiment jamais. Donc, bah, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris ensuite le Kabuto pardon, de Neo Discovery, que je me trompe pas parce qu'on m'avait repris dans un de mes posts. C'est Neo Discovery. Donc en édition 1, elles sont en état, excellent état j'ai envie de dire. Je vais vous montrer un petit peu, mais franchement je suis super content de les avoir. J'ai même pas réfléchi, je les ai pris direct. Voilà, pour vous montrer. Bon, il y a quelques petits bords blancs par-ci, par-là. Mais voilà. La macro. La macro, la macro, la macro. Alors, par là. Voilà, pour vous montrer un petit peu quelques bords blancs. Mais franchement, dans l'ensemble, elle est en excellent état. Elle est en excellent état. Je suis vraiment très content. Voilà. Donc, ce petit Kabuto qui ira dans ma collection directement. Voilà, c'est une série qu'on voit très rarement, surtout dans cet état-là. C'est une série qui a déjà, on va dire, 18-19 ans, parce qu'elle fait partie du bloc Wizard.
Voilà. Ensuite, on a le petit fouinette, pareil, de Neo Discovery en édition 1, en proche du neuf, j'ai envie de dire, parce que c'est pas neuf. Même série, même édition, le Axolotl. Voilà. Et celle-là, je l'ai trouvée. Je connaissais pas cette série. Bon, c'est la série en fait Génération. Mais c'est en fait les 20 ans de Pokémon. Vous avez le petit logo de Pikachu en jaune, juste là, avec le 20 à la place des joues. Et le sac de nœuds en holo. Donc ça fait partie de la série Génération. Donc c'est la 8 sur 83. Et en fait, bah, ça fait partie, je crois, d'un coffret, etc., ou pour fêter les 20 ans de Pokémon. Voilà, tout simplement. Et elle est en très bon état, je crois. Elle est en. Ouais, non, état bon, on va dire. État bon, état moyen. Voilà, c'est pas excellent, mais bon, je l'avoue, je la trouvais jolie. Donc, du coup, je l'ai prise. Voilà, et donc, du coup, ça, j'ai reçu hier. Donc, c'est Teshi. Je ne connais pas son prénom exactement. Normalement, c'est Laurent, si je me souviens bien, qui m'envoie ça de Belgique. Donc, en fait, je lui ai acheté cette carte-là. Donc, le Rayquaza brillant de la série Légende brillante. Donc, je crois que c'est ma carte préférée de toutes les brillantes de la série, avec le Mew et le Jirachi, qui sont magnifiques. Et celle-là, je l'ai payée 10 euros. Donc 11,40 avec les frais de port, parce que c'était de Belgique, donc c'est un peu plus cher. Donc pour une carte qui est en excellent état, voire neuve, j'ai vu quelques traces de frottement dessus, je l'ai déjà examinée, donc j'essaierai de l'envoyer à PCA celle-ci, mais je pense qu'elle n'aura pas un 10, ni un 10 plus, ni un 9. Je pense qu'elle aura, enfin j'espère un 9, mais je pense pas sincèrement, parce qu'elle a quelques traces de frottement, quelques micro-rayures. Le centrage a l'air bon. Peut-être le bord gauche un peu plus grand que le bord droit. Mais bon, on verra si je l'envoie ou pas, si j'en ai une autre en meilleur état, je vais voir. Donc ce qu'il faut savoir sur ces cartes-là, c'est que vous avez tout le Pokémon qui est en texturé. Je sais pas si vous pouvez le voir avec la lumière. On va essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez le Pokémon brille. En fait, vous avez tout le Pokémon qui est en texture, comme sur les secrètes. Donc tout ça c'est en texturé, derrière c'est normal, on va dire. Voilà. Donc celui-là, c'est là, non, il est dans sa forme shiny, donc brillant en anglais, voilà, ou chromatique pour les puritains. Et du coup, pour s'excuser du retard, parce qu'elle a mis quand même un petit peu de temps avant de me l'envoyer, mais je lui en veux pas du tout, hein, il n'y a pas de souci, tout le monde a des choses à faire. Elle m'a envoyé quelques cartes en plus pour se faire pardonner, on va dire, mais je lui en veux pas du tout. Voilà. Donc le Canartichaux Reverse. Un Diancie Holo, un Oupa Holo, un Goupix que j'ai eu dans l'autre réception, un Rattata, un Electek, un Magikarp, un Conconfort, un Rattatak, Vaillance de Pierre, Lien Spirituel Flagados, Énergie Plante. Voilà. Donc c'est très gentil à elle, franchement, elle oublie. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'il n'y a pas sur sa photo de profil, on ne voit pas exactement. Et donc, du coup, elle n'était pas obligée, ça me fait très plaisir d'ailleurs. Donc on va dire, voilà, si j'ai eu le Rayquaza pour peut-être 7 euros, quoi. Parce que les autres, je les ai déjà, donc je les revendrai. Donc c'est à peu près le prix voilà, que je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu pour peut-être 7 euros, quoi. C'est très, très raisonnable pour une carte comme ça. Ben, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Demain, je vais en Vigrenier. À côté de chez moi, je sais pas si vous connaissez, dans 83, le Bossé. Et première pour moi, je vais vendre mes cartes sur un vide-grenier à côté de chez moi à Ouloul. Je vais être là-bas pour 5h30 du matin. Donc je vais sûr et certain faire le tour de toute la brocante, si ce n'est plusieurs fois par jour, pour ramener tout ce que je peux ramener de la brocante, en cartes Pokémon bien sûr. Donc j'espère en plus aller à la store là avoir les meilleures affaires. Ce serait vraiment cool. Je suis prêt, tout est prêt dans mon portfolio, tout est noté, tous les prix sont faits. J'ai encore quelques ventes à faire dans les prochains jours, entre demain et après-demain. Donc si les gens ne les prennent pas, ça ira à la vente. Et voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à avancer.
Et ben, merci de votre fidélité à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir. Je vois que vous êtes très nombreux sur ma vidéo à les commenter, etc. Donc ça fait vraiment très très plaisir de voir ça. Donc je vous dis à très très bientôt. À plus tout le monde.